Appel. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hippachaïdi, ravi de vous retrouver en ce mercredi après-midi, jour des enfants. Aujourd'hui dans Il est pas chani, des révélations graves et très importantes vont avoir lieu pour la compréhension, on va dire, de tout le monde sur ce rap incroyable. Is finally back to kick some tail. Is Coco the gun? Can fire his pearls if he chops ya? It's gonna hurt. He's bigger, faster, and stronger too. He's the first member of the DK crew. Putain, mon dieu, mais ce son du mal! Ce son du mal! Christelle, pourquoi j'ai ça là? On va se reposer, petite musique triste. Bonjour. Bonjour à tous, chers auditeurs de la JVTV. Montez un peu le son. Bonjour à tous, chers auditeurs de la JVTV. Aujourd'hui est un jour particulier car j'annonce, après 3 années, on va bientôt fêter les 3 années, de bons et loyaux services sur la JVTV, mon départ pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui va bientôt commencer pour moi, une histoire plus grande, plus rapide, plus ambitieuse, on va dire, que les projets que j'ai actuellement. Cette histoire, c'est bien entendu l'histoire du stream. Après l'échec cuisant de Gaming Live et de ses web TV à répétition, la chute de la TV rétro indé dont je suis personnellement responsable, j'ai eu du mal à assumer la fin de la chaîne Pokémon. J'ai eu du mal à assumer tout ça, tentant de rebondir avec un projet JVTV mené par un chef assez peu ambitieux, il faut bien le dire, et qui malheureusement patauge un tout petit peu avec les moyens qu'on lui donne. J'ai décidé de faire front après l'abandon d'un de mes frères d'armes, Mister MV, pour porter le projet JVTV le plus haut possible. Maintenant, il faut bien se rendre à l'évidence, se rendre compte. Ce projet JVTV est un projet mort-né, puisque les chiffres ne décollent pas. Et nous sommes encore et toujours malmenés par la concurrence YouTube qui fait rage. Perte de contrat, marge diminuée, problème d'organisation, problème de structuration. La JVTV allait depuis 6 mois droit dans le mur. Mister MV, qui avait déjà vu le vent tourner, a déjà choisi de passer en indépendant. Fort heureusement, grâce à l'imminent Bertrand Amar, qui est un peu le boss du game, d'autres opportunités s'offrent à moi aujourd'hui, dont l'opportunité de faire partie de la grande famille des youtubeurs. En effet, à partir de demain, et vous le verrez sur le stream de lancement ce soir, je ferai officiellement partie du crew de Le Stream. Qu'est-ce que le stream? Le stream, c'est une nouvelle web TV qui se monte, portée de main de maître et de bras de fer par l'incroyable, le stupéfiant, l'extraordinaire Squeezie de YouTube, ami d'un autre jeune homme extraordinaire, Nio de YouTube, eux-mêmes amis de tout YouTube et en collaboration, en production directe avec Cyprien Gaming. Sachez que j'ai choisi de rejoindre ce projet car je pense sincèrement que c'est le projet de Web TV le plus ambitieux jamais vu. Et vous le verrez ce soir à 18h lorsque le stream se lancera pour la soirée de lancement, qu'il ne fait aucun doute que les enfantillages que vous avez pu voir jusqu'à présent sur la JVTV n'étaient que le commencement de quelque chose et ne pouvait en rien aboutir. Petite évolution d'e-live
surévolution de Gaming Live. La JVTV était de toute façon, avec le départ d'un des plus grands casteurs français, Mr. NV, vouée à l'échec, il faut bien l'avouer. J'ai choisi donc de prendre mon courage à deux mains et d'aller là où le pognon m'appelle, sur le stream. Squeezie est venu me voir dans mon bureau hier et m'a dit « Écoute Ken Bogard, je te veux absolument sur cette web TV. On a engagé les meilleurs avec nous. Il y a Gotaga, il y a Jiraya le Cochon, il y a toute la team Eclipsia. On ne peut pas, absolument pas passer à côté du meilleur, il m'a dit ça, texte, du meilleur streamer français et commentateur français à l'heure actuelle. » Je lui fais « Écoute Squeezie, c'est très gentil, tu sais que la flatterie ne fonctionne pas avec moi. » Il m'a dit « C'est payé 10 000 par mois. » Je fais « Écoute Squeezie, c'est quand tu veux, où tu veux. » Et à partir de là, eh bien, c'est monté un projet extraordinaire où on a fini par émettre un filet d'émission en quelques secondes pour terminer avec le projet que l'on vous rend ici ce soir, qui sera le stream de lancement du stream. J'espère en tout cas que ce projet vous plaira. J'espère que vous me suivrez sur le stream. Quelles émissions seront déportées sur le stream après le rejet vraiment violent de la part de responsable éditorial de la JVTV, j'ai nommé Frédéric Lu. Après ce scandale, j'ai décidé moi-même de porter Il est pas chaîne sur le stream. Car je pense que le stream est une web TV novatrice qui parle à un public plus jeune, plus ouvert d'esprit que sont les jeunes garçons et les jeunes petites filles de YouTube. Alors, vous, le public qui m'avez toujours suivi, je vous en remercie infiniment, je vous apprécie. Mais malheureusement, vous mettez tout ça de bloc. Dès qu'on doit payer un jeu 40 euros, c'est pas possible. Vous chiez sur tout ce qui se passe dans la planète Terre alors qu'on essaye de vous apporter des programmes intéressants. Les enfants, tu leur sers de la merde, ils sont contents, ils en redemandent. Ils en redemandent. Vous, on vous sert de la merde. Oh, j'ai quand même fait de la merde ton émission. Ah, tu m'as habitué à mieux. Merde, à un moment, merde. Merde. Il y a un moment, merde. Je veux dire, on peut pas toujours être parfait tout le temps. Imaginez cette image. Vous êtes dans la peau d'un acteur porno qui doit limer toute la putain de journée devant des caméras. Eh bien oui, il y a des moments, il y a un putain de coup de mou. La demi-molle, elle est là. Et moi, la demi-molle, eh bien, je me la carre par-dessus l'épaule en ce moment, vous voyez. Impossible de tenir une qualité de stream aussi parfaite avec, eh bien, un confort et une qualité éditoriale à la hauteur des mecs de 40 ans qui regardent la JVTV. C'est pour ça que j'ai décidé de me baser sur un nouveau public, élargir un tout petit peu mes horizons et prendre plus d'argent. En gros, voilà le pari du stream. J'aurai à faire des streams moins qualitatifs. Je serai plus vu, je serai plus payé et j'aurai moins de streams à faire puisque nous serons une grande famille sur le stream. Faisons le calcul. J'ai moins d'heures de stream. Je peux faire de la merde comme je veux, j'ai rien à préparer comme émission. Je suis payé 4 fois plus. 4 fois plus. Et en plus, j'ai pas à me trimballer tous les gens pas contents. Puisque les gosses, ils sont toujours contents. Voilà, faites le calcul. JVTV face à le stream. Mon choix était de toute façon déjà fait. Déjà fait de base. Il suffit de poser, je suis un mathématicien, je suis cartésien, je suis pragmatique. Le pragmatisme me pousse vers le choix qui me semble être le plus raisonnable. J'espère en tout cas, même si vous en avez pris un peu plein la gueule, que vous me suivrez dans ce projet de le stream. Je commencerai dès mercredi prochain avec un Il est pas chaîne qui va passer à 4h. Incroyable, le stream me laisse faire des Il est pas chaîne à 4h, là où Frédéric Lu, le tortionnaire, ne m'a fait que retirer tout ce qui marchait de mes émissions pour en faire un compressé, un condensé
de rien. On n'a même pas le temps de poser un débat en 2 heures, si vous voulez. On n'a même pas le temps. C'est impossible. Voilà. Aujourd'hui, chose résolue, je suis allé voir Squeezie. Je lui ai dit, écoute Squeezie, j'ai besoin de 4 heures pour exprimer pleinement mon talent. Les enfants, de toute façon, ils branlent rien de la journée le mercredi. File-moi ça, je vais chasser du Pokémon. Ils vont être contents. Et ensuite, je fais relais directement, comme ça. Je prends le ballon, hop, je passe pour le Prime avec Cyprien, Squeezie et toute la grande famille. J'aurais juste monté à l'Arena. Juste monter à l'Arena. Le calcul est vite fait. Le calcul est vite fait. Très rapidement, on se rend compte de la différence qu'il y a. Le calcul est vite fait. Je ne remercierai jamais assez Frédéric Luc qui, malgré sa pingrerie, restera quand même un de mes mentors. Heureusement que Bertrand Amard est arrivé dans ma vie. Grâce à lui, j'ai pu prendre conscience moi-même de mon véritable potentiel et du fait que moi aussi, tel le meilleur des youtubeurs, je pouvais me gratter les couilles toute la journée pour ensuite toucher un max de pognon et acheter des sacs Louis Vuitton à 2500 balles que j'oublie en convention avec les messages de mes fans. Voilà, l'avenir c'est ça maintenant. C'est ça, te faire inviter au trou du cul du fin fond de la France, tu touches ton petit chèque de 5000, tu manges bien, tu repars avec ta copine, tu rentres chez toi, t'es bien, là tu fous rien pendant une semaine, une petite vidéo vlog où tu manges un bonbon avec un goût de caca, hop, tu poses ça sur YouTube, 3 millions de vues, 30 000 euros qui rentrent, là tu te dis, oh, 3 millions de vues, ah, j'adore cette chanson. 3 millions de vues, 30 millions d'euros qui rentrent, voilà, qu'est-ce que je vais me faire chier? Sincèrement, pourquoi est-ce que je me fais chier avec un YouTube qui n'arrive pas à décoller depuis 8 ans, là où je vais apparaître dans 3 vidéos de Squeezie et j'aurai 120 000 abonnés? J'ai envie de vous dire, il y a un moment, faut penser à l'optimisation, si tu veux. Quand on veut réellement réussir, je pense que la qualité des projets, les personnes avec qui tu travailles, tout ça, ça n'a pas une grande importance finalement. Tu peux remplacer Frédéric Lu par Bertrand Amard, tu peux remplacer Mister MV par Squeezie. Finalement, voilà, c'est pas plus mal. Finalement, un streamer, c'est un peu un streamer, un producteur, c'est un peu un producteur, et un Pokémon pas shiny, il sera pas shiny sur le stream comme il était pas shiny sur HJVTV, bien entendu. Donc on est déjà. Je pense que faire ressortir un peu mon côté fan d'argent, plutôt que d'essayer systématiquement de compter si j'aurai le droit à ma prime de fin de mois ou non pour payer mon loyer, je pense que ça c'est important. Je pense qu'à un moment, il faut plus regarder la qualité de ces émissions. C'est pour ça que Squeezie est venu me voir et m'a dit Johan Verdier, j'ai appris ton nom sur une vidéo de Mister MV. Johan Verdier. Chose à quoi je répondrai un peu plus tard dans ce stream. Johan Verdier, je te suis depuis très longtemps. Moi-même, je suis un grand fan de jeux de combat. Je joue à KOF depuis le 18, hein. Date de naissance d'ailleurs, 1998 de Squeezie. Merde, en plus, je crois que c'est vrai. Putain, merde, Squeezie, il est né quand? Squeezie. Il a un Wikipédia, Squeezie? Wikipédia. 96. Ça va, c'est un mec du 96. C'est un mec du 16. Ça va. J'ai eu peur, hein. Il est né à Vitry, mais c'est un mec. Mais voilà, c'est évident que c'est un coffeur, mon gars. Squeezie, 27 janvier 1996. Un mec de Vitry. Tu vois, ça, c'est les gars sûrs. C'est les gars sûrs que j'aurais dû suivre depuis le 1 plutôt que de suivre des mecs qui vivent à Argenteuil qui ont même pas la fibre. C'est un mec de Vitry, c'est un vrai coffeur. Putain. Ah, Wikipédia, merci. Voilà, bah tout est dit. Maintenant, tout est dit. Bah ouais, j'aurais dû rester à Alfortville, faire des sessions avec Squeezie quand je... Bah, il est venu. Il a dit Johan Verdier.
Ton potentiel est incroyable. Aujourd'hui, je pense que tu es capable de faire rire des générations et des générations de jeunes petits-enfants. Et surtout, surtout, ce que tu vas être capable de faire, c'est de vendre eh bien, des consoles Nintendo en France. On l'a vu, le lancement de la Switch a été un véritable succès en France et c'est grâce à ton émission Nintendo Fan qui est sous-mise en avant sur la JVTV. Ton potentiel est complètement gâché. Tu es le plus gros influenceur Nintendo aujourd'hui en France. Je dis Squeezie, la flatterie ne fonctionne pas avec moi. Tu sais très bien que j'essaie de faire de mon mieux dans les conditions et avec les moyens qu'on me donne, même si c'est pas toujours facile avec un patron pareil. Il m'a dit, un stream Nintendo c'est payé 5000. Écoute, Nintendo j'ai toujours aimé ça, l'argent aussi, il n'y a pas de problème, c'est où et quand qu'on sait. Voilà. J'annonce donc officiellement mon arrivée le mardi sur le stream pour 4 heures de Nintendo Fan, une émission 100% OPSP où j'aurai à chaque moment un jeu à vendre. Et le but sera donc de m'appeler, vous pourrez m'appeler en direct sur Skype pour acheter les jeux. On va faire un genre de gigantesque téléachat, on prendra même des téléacheteurs de jeux Nintendo. Voilà, qui veut un Bomberman, qui veut un Breath of the Wild, qui veut une Switch, enfin, ce sera comme ça pendant 4 heures. Et j'invite vous, les petits-enfants, à demander à vos parents d'appeler, comme nous demandions à nos parents d'appeler Karen Cheryl pour pouvoir jouer à Hugo Délire avec du lag sur la télé. Tu vois, on était déjà ultra connectés à l'époque. Genre ultra connectés. Donc, Suzy m'a dit, il n'y a pas de problème, ton concept d'émission est génial, je te mets entre Jiraya le cochon et Gotaga. C'est impeccable, un public qui me correspond totalement, on va être vraiment bien. Donc le mardi, on est bien. Ensuite, Squeezie est venu me voir et m'a dit, écoute, les jeux de baston, c'est toute ma vie. À Vitry, le seul moyen de survivre dans les cours de récré, c'était de se régler à KOF 2002. Il avait 5 ans à KOF 2002, fallait bien un peu plus, 8 ans à KOF 2002. Non, 4 plus 6 ans. Wow. Et 6 ans à KOF 2002. Le seul moyen de survivre, c'était de se régler à KOF 2002. J'ai donc eu un long parcours de jeu de combat afin de pouvoir me faire une véritable place dans la cour de récré. Je dis, écoute, je connais ça, nous à l'époque c'était à Street Fighter 2 qu'on se réglait. C'était pas bon à Street Fighter 2, t'avais pas un Ken à Street Fighter 2. C'était impossible de pouvoir discuter. On parlait déjà de tier list à l'époque. Je me souviens où je disais, Eldalsim il est tout lent, même s'il est couvant loin, il se fait vite taper par les adversaires, c'est probablement le lotier du jeu. Eldalsim, le lotier de Street 2. J'étais un visionnaire déjà à l'époque, quand je m'en rappelle. Et je dis, je comprends totalement ce que tu ressens. C'est incroyable, tu viens me voir, tu dis que tu es fan. Ce que je peux comprendre car je fais quand même du travail assez exceptionnel, je pense. Et tu me dis que toi aussi t'as lutté dans les cours de récré pour te faire une place, Cousy. Écoute, on est fait pour s'entendre. Et il me dit, je veux absolument qu'il y ait une émission jeu de combat. Un véritable prime à l'arena avec 8 invités par semaine. Par semaine, on fera venir Daigo, on fera venir Tokido, on fera venir Justin Wong, on fera venir Smug Dabist, on fera venir Ryan, on fera venir Phenom. Tous les jours, tu auras un invité international qui sera là, te montrera le meilleur. Fab viendra, ouais. Un gros coffer, donc il y a M-Dash qui va aussi probablement venir d'ici 3 semaines. Je dis, écoute, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé. Parler vraiment de jeux de combat. Aujourd'hui, on ne me donne même pas les moyens de parler de Guilty Gear, qui est le jeu qui me tient le plus à cœur aujourd'hui. Je suis obligé de gratter des viewers avec du Street Fighter V comme un mange, un crève la faim, et quémander un réalisateur pour l'émission. Tu me proposes l'arena, tu me proposes tout ça. Écoute, Squeezie, c'est quand qu'on... Il m'a dit c'est payé 7000. Écoute, Squeezie, ça aurait pu être payé n'importe quel argent. C'est payé 8000. J'ai dit d'accord. Et je re-signe. Du coup, pour un meurt passant en pif exceptionnel, ça sera eh bien tous les jeudis. Meurt passant en pif. Et après, je lui dis, bah alors, là, je t'ai vendu un meurt passant en pif de 2 heures. Je t'ai vendu une Epachini de 4 heures. Je t'ai vendu 3 heures de téléachat Nintendo Fan. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Squeezie me regarde dans les yeux et me dit, tu aimes les vidéos YouTube? Je vais t'apprendre à faire du jump cut. Et là, il m'a proposé, tenez-vous bien, une équipe de 50 monteurs pour passer sur mes 4000 VOD afin de faire de ces 4000 VOD 325
best-of, un best-of de 10 minutes par jour de chacune de mes VOD YouTube. 325 best-of de 10 minutes, tu m'as dit, ça va cartonner. On va prendre tous tes streams, on va prendre 50 des rushers qui seront 24 heures sur 24 concentrés sur juste tes streams. Et ce qu'on va faire, c'est tout dérocher, te faire des best-of de 10 minutes. Les gamins, ils adorent, les adultes, ils adorent, tout le monde adore. On va faire des best-of de tout, tu vas devenir la plus grande star de YouTube. Le but, c'est que tu me détrônes d'ici la fin de l'année. 365 jours. 365 best-of qui seront proposés. Est-ce qu'on est une année bissextile 2017? Non, 365 best-of. 365 best-of, les amis. Un par jour. 325? Non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est tout de suite beaucoup plus. Ma chaîne YouTube va enfin décoller. En plus, il va me passer la tier list, tu vois, les contacts. Parce que vous savez, quand t'es YouTuber, t'as les contacts avec YouTube. Donc, il t'aide à te remonter pour que les gens cliquent sur les vidéos. Quand même, ça, c'est assez important. On va me remonter, on va me faire cliquer sur les vidéos, etc. Et voilà. J'aurais plus qu'à enregistrer des petites sessions d'une heure. Je passe ça à mon monteur. Il me fait jump cut, jump cut, jump cut. Ah, il a dit bit, ah, il a dit cul. Ah, il a dit... Ah, il a fait... Voilà, hop, tu mets tout ça à côté. Et fra, allez, emballer, c'est pesé. 10 minutes de best-of. Et une vidéo qui cartonne. Voilà, le YouTube Game sera bientôt à moi. Le YouTube Game sera bientôt à moi. J'annonce donc eh bien, l'arrivée d'une nouvelle chaîne YouTube qui va se monter, qui se nommera Johan Verdier Gaming, qui sera eh bien, linkée à mon ancienne chaîne YouTube, hein, Puyo 42343, qui est à présent dépassée, qui de toute façon n'aura jamais décollé. Et puis, évidemment, sans l'appui de Squeezie, dès que je poste une vidéo Nintendo, je ne peux pas la monétiser de toute façon. Donc, le lancement sera prévu le mois prochain avec d'ores et déjà 7 vidéos best-of de mise à l'intérieur. Voilà, ça c'est cadeau, on me propose ça, c'est gratuit. Tous les revenus générés par cette chaîne YouTube me seront intégralement reversés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, afin de me faire gagner un peu plus de pognon. Car là j'en suis à 5000, plus 8000, plus 10000, ce qui est relativement peu par semaine. Merci en tout cas de me suivre hein, depuis si longtemps, de suivre les projets que je mets en place depuis toujours. Je remercie bien entendu tous ceux qui m'ont soutenu, Mister MV pour m'avoir montré la voie, sans qui je ne serais aujourd'hui qu'un aveugle au milieu des bornes. Voilà, merci à vous hein, qui m'avez suivi. J'espère que vous me suivrez aussi sur le stream de le stream. Et que vous répondrez présent, tous ensemble, durant ces 3 jours de folie qui vont nous être accordés. En attendant, c'est le retour de Il est pas shiny. J'avais un truc, j'allais vous parler, je me souviens même plus c'est quoi. Dans Il est pas shiny aujourd'hui, puisqu'il faut quand même faire le taf, on va faire le taf. On va chasser encore un peu type 0 avec une magnifique playlist car aujourd'hui, eh bien, ce sera uniquement des musiques Nintendo qui vont nous accompagner. Vous écoutez actuellement Mega Man 7 Shade Man Stage et cette musique a été regroupée dans une playlist qui est en fait une sélection des musiques de Supra Darky. Alors, qui est Supra Darky? Alors, je vous envoie ici le channel sur le chat. Supra Darky, c'est un youtubeur encore hein, qui met eh bien, ce qu'on appelle des VGM, Video Game Music, et qui a réuni plus de 2000 musiques de jeux vidéo, ma foi, fort entraînante et assez sympathique, de tous horizons, hein, rétro comme récente, et qui eh bien, est tout simplement une playlist ou des playlists ou des séries de musique complètement écoutables à disposition de tous. Je vous invite du coup à aller voir justement ce Supra Darky, allez vous abonner si vous voulez un truc, si vous voulez écouter des choses sur le taf, si vous voulez embarquer des musiques de vidéos, si vous voulez être youtubeur et vous faire flinguer vos vidéos YouTube, c'est sans hésiter le channel YouTube à aller à aller stalker. Voilà, à aller stalker. Donc je vous renvoie justement derrière ça. Et vous allez voir qu'on va passer un peu du coq à l'âne.
puisque là, c'est le thème de Street Fighter 2 de Ken de la Super Nintendo. Thème d'ailleurs eh bien, réalisé par Yoko Shimomura. Croyable mais vrai. Même compositrice hein, des musiques de Kingdom Hearts et de Final Fantasy XV. Excellent jeu qui vaut d'ailleurs son 18 sur 20. Ce qui fait penser d'ailleurs que j'ai encore oublié le collecteur Final Fantasy XV. Car oui, ça y est, c'est fait. C'est fait. J'ai récupéré mon collecteur Final Fantasy XV. Et ça, eh bien, sachez que c'est grâce, encore une fois, à l'influence de Squeezie. Squeezie est venu me voir, il m'a dit, écoute, j'ai vu que ton collecteur Final Fantasy XV avait été abîmé par la poste. Si tu veux, eh bien, je peux te mettre en contact avec un mec de Square Enix pour qu'il te le remplace le plus rapidement possible. Je fais, Squeezie, écoute, c'est très gentil ce que tu me proposes, mais tu sais que moi, on m'achète pas. Il m'a dit, je t'offre le collecteur plus 800 euros. J'ai fait, c'est quand qu'on l'appelle? On a appelé le mec de Square Enix, et puis avec Square Enix, il y a plein d'excuses, on pensait vous l'avoir envoyé. On vous renvoie ça tout de suite, comme ça vous pourrez faire un unboxing YouTube avec un best-of de l'unboxing YouTube d'une minute trente avec des jump cuts. Je lui ai dit d'accord, pas de problème. Merci beaucoup. Et donc le pack collector est arrivé et je l'ai. J'ai fait ça quand même pour voir si ça secouait. Ça a l'air de remuer un peu à l'intérieur, mais je vais pas y toucher. Ce collector, je ne l'ouvrirai pas. Je ne vais pas l'ouvrir, il va rester scellé, fla. Je le garde ici, je le fais, comment on appelle ça, fermenter. Et une fois que la pourrissure, la moisissure se sera fait sentir, eh bien, j'enverrai ceci sur eBay à qui le veut. PS4, PS4, bien entendu, PS4. Respectez-moi. PS4. De l'aigret à mes petits-enfants, collecteur FF15 qui sera, à mon avis, parmi les collecteurs les plus attendus de l'univers. A noter que, je sais pas si on peut voir ici, j'ai récupéré le DLC du coup de Breath of the Wild. Et dans le DLC de Breath of the Wild, il te donne... Il te donne un t-shirt Switch. Ça n'en voit vraiment rien du tout. Hein. C'est ouf. Alors ça, faut me croire sur parole, c'est un t-shirt Switch. Hein. C'est complètement un t-shirt Switch. T-shirt Switch, hein. Bonus pour l'achat du pass d'extension. Ce logotype familier orne ce maillot rouge vif d'une grande rareté. Si vous le vendez, vous ne pourrez jamais en obtenir un autre. Je vais garder mon t-shirt du coup. Parce que visiblement... le vent, c'est pas grave. Il n'a aucune propriété, un de défense. On va voir si augmenter, c'est possible de lui faire des dégâts. Mais en tout cas, je pense que le t-shirt Switch en DLC, c'est du plus mauvais goût. Collecteur FF15 à 50€ sur eBay, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Bien sûr que non. Est-ce que vous avez reconnu cette musique ? I am the great mighty Pooh and... I'm going to throw my... Ah putain, c'est quand même sale ce jeu, hein. C'est tellement sale ce jeu. C'est ça. Vous avez reconnu ou pas le son? Il est sale le jeu. Il est tellement sale. C'est Conker, ouais. Tout à fait, c'est Conker. C'est Native GG. C'est Conker Bad Fur Day, hein. Slow Prano. Avec bah le... Le comment, le pseudo Hitler, il y a quand même Hitler dans le jeu, qui chante du coup le son. Slowprano. C'est tellement sale. C'est tellement sale. Voilà, alors je vous rassure, hein, pas de le stream pour moi, je vais rester me faire avec la famille sur JVTV, continuer de vous proposer les programmes les plus cools. Voilà. Parce que en vérité, personne n'est jamais venu me voir. Parce que je suis cul de merde. Parce que je suis cul de merde. Le seul qui veut de moi, c'est Frédéric. Je suis vraiment un des youtubeurs les plus ratés de l'histoire, je pense. Et un des streamers les plus moyens, nuls,
qui puisse exister. Je pense que ma carrière de prof de maths est une carrière qui a quand même été assez ratée, je dois bien vous avouer. Jamais licencié dans l'enseignement national. Une thèse qui n'a jamais vu sa soutenance. Un passé de streamer petit qui n'a jamais grossi. Je suis allé mendier de Web TV en Web TV pour pouvoir passer quelques programmes. Je pense que la médiocrité de ma prestation sur ces 8 années déjà, 8 putains d'années, eh bien, n'a d'égal que l'argent que se fait Mister MV tous les soirs. Oh là là, mais c'est tellement violent ce jeu. Tellement violent. Ouais, j'ai réussi à arnaquer un CDI, mais voilà, la vérité, c'est... La vérité, c'est que ce CDI, c'est de l'arnaque, les gars. C'est de l'arnaque. C'est complètement de l'arnaque. C'est de l'arnaque depuis le 1, ce CDI. J'ai réussi à Zoulout à la montée d'une boîte qui ensuite s'est fait racheter. Ils ont pas réussi à me virer ni à me pousser dehors. Du coup, je suis là, mais je suis pas là. C'est de l'arnaque. C'est complètement de l'arnaque. J'ai jamais rien fait pour mériter ça. Maintenant, j'y suis, j'y reste. Tu sais, je me pose là et j'attends, quoi. J'attends. Mais ouais, 8 ans... 8 ans de sac à merderie, c'est terrible. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre l'équipe du stream pour des folles aventures Peggy 12. Car je suis un peu le streamer Peggy 12 ici. Ça commence à 18h quand je termine. Je serai à temps pour pouvoir faire moi aussi mon concours de manger de petits Suisses avec toute la famille. La vérité, c'est que Squeezie est venu me voir, il m'a dit, écoute, je te suis depuis 8 ans, je suis un de tes premiers abonnés YouTube, je comprends pas pourquoi tu n'as jamais décollé. À mon sens, tu es probablement ce qui se fait de mieux en matière de médiocre sur YouTube. Il faut absolument, absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Je lui ai dit, écoute Squeezie, la flatterie, ça ne fonctionne pas chez moi. Il m'a dit, si tu viens, je te paye 10 000. Je dis, c'est quand qu'on signe, c'est où? C'est parti. Merci Squeezie, une des meilleures rencontres que j'ai jamais fait d'ailleurs de toute ma vie. 17h, le site ouvre, mais le stream commence à 18h, ne paniquez pas. Vous êtes bien renseigné hein, pour des adultes. Comment se fait-il que vous soyez aussi bien renseigné? Est-ce que vous avez l'intention de regarder le stream? Est-ce que vous voulez réellement voir? Est-ce que la proposition vous intéresse? On va faire un straw poll dans Il est pas shiny, évidemment, parce que ne serait pas Il est pas shiny s'il en est. Oh là là, à chaque fois je me trompe de site, straw poll, ils font chier là à voir le truc. Est-ce que le stream vous intéresse? Alors, je parle de le stream. Intéresse. Je sais même pas l'écrire, putain. Intéresse vous. Est-ce que le stream vous... Ouais, ça doit être bon. Le stream... Est-ce que le stream vous intéresse? Je vais suivre ça. Je sais même pas l'écrire. Tous les jours. Je vais regarder en quinconce où la JVTV c'est la vie. Jamais je ne la quitte. Jamais je ne la quitterai. Parfait. Impeccable. Les réponses sont maintenant posées. Les questions sont maintenant posées. A vous de mettre les réponses. Allez-y. Hein. Balancez la max. N'hésitez pas. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Oh non, il faut que je clique sur des arbres. Mon Dieu!
Est-ce que j'ai cliqué sur des armes? C'est bon. J'ai le niveau intellectuel d'un enfant de 5 ans. Et regardez, hein, regardez. Les réponses sont claires, en tout cas, pour ce début de Stropole. C'est mort. C'est complètement mort. La JVTV va mourir. Comme vous pouvez le voir, personne, absolument personne ne restera sur la JVT. Tout le monde va regarder en quinconce, sans savoir évidemment ce que ça veut dire quinconce. En quinconce, ça veut dire vous ne regardez que ça. Voilà, plus de 60% de ce chat, 70% maintenant, 80% des gens quitteront la JVTV pour regarder le stream. 80%. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé avec un... Eh oui, bah c'est moi qui ai posé le stropo là. À partir du moment où phonétiquement vous arrivez à vous en sortir, ça devrait aller, je pense. Vous en sortez, vous en sortez. Voilà, donc la réponse est claire. C'est la fin de la JVTV. Je vais apprécier mes dernières heures de stream ici. Ça serait bien qu'un jour j'ai un shiny, peut-être dans le jeu. Même si j'essaye peut-être pas la meilleure méthode pour avoir un shiny, pour vous dire la vérité. C'est vrai. Squeezie a vu ce Stropole, il est venu voir, il m'a dit j'étais sûr que le stream allait être une excellente idée. On va pouvoir vendre des Nintendo Switch à l'infini, à tous les pigeons qui regardent YouTube. C'est extraordinaire. On ne pouvait vraiment pas rêver mieux. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la fin. C'est la fin pour la JVTV. C'est la fin, voilà. Ce Stropole me conforte en tout cas dans mon choix. Dans le choix que j'ai eu à faire. De disparaître. De la JVTV. Tout jamais pour évoluer, moi aussi, évoluer. Pour évoluer plus tard. Vous écoutez actuellement l'OST de Lufia, Fortress of Doom, Last Duel, sur Super Nintendo, un jeu Taito hein, d'ailleurs. Un jeu complètement sad. Un jeu complètement Taito. Mais le stream, c'est déjà Webedia, c'est Mixicom, bien sûr. C'est Webedia. Cras, ce ninja gueudin. Complètement. Bon, maintenant, parlons peu, parlons bien. Après ces annonces qui, je l'espère, vous réjouira. Hein, je l'espère. J'espère enfin, sincèrement, que vous allez être content d'une annonce. J'espère enfin que vous allez être content d'une annonce. Dites-moi, il faut que je trouve un son, là. Un son qui casse le crâne. Faut que je trouve un son qui casse le crâne. Un son qui fait... Qu'est-ce qui vous fait penser... Si je vous dis Mister MVA, quel son vous pensez? Quel son vous pensez si je vous dis Mister MVA? Y'a pas un son auquel vous pensez? Directement, un truc qui vous dit... Ah, mais c'est comme une évidence, ce son-là, c'est Mister MVA. Non? Sanic de YouTube. DuckTales. La BO de Trainspotting. Lodo de l'espace, Francky Vincent, Mabi, Speedrunner, le son de Ken Bogard, Suck My TV, l'opéra de Final Fantasy VI. Ah, l'opéra de FF6, ça... L'opéra de FF6, ça va casser le crâne. Non, moi je pense qu'on va prendre une des meilleures compositions de Mister MV, compositeur de talent. Alors attention, Mister MV... Essayons de trouver. Voyons voir ça. Ça m'a l'air pas mal ça comme son. Crazy Frog OST GBA. Voyons voir ça. Oh là là, Crazy Frog Song, non. La version GBA. Ah, c'est dur de se procurer. Ça va être dur. Ça va être dur. Il essaye de cacher hein, son travail, Mister MV. Mais... Il essaye de cacher son travail. Il essaye de cacher
tout le talent qu'il a au fond de lui. Ah, il faudrait que j'arrive à trouver. Ah, ça va être dur quand même. Hein. Crazy Frog Racer. Ah, c'est pas lui ça. Ça, c'est le 2, il me semble. Lui, c'est le 1. Crazy Frog Racer. Ah là là, Crazy Frog Racer, le 1. Ah, ça doit être compliqué. Ah, c'est compliqué de trouver Crazy Frog Racer, les musiques, mon gars. Oh. Attends. Il y a Piteus qui m'envoie. Mais non, mais l'homme aux 8 bits, on s'en fout. Fermez. Caca, c'est où là? Est-ce que quelqu'un serait capable de me trouver la bande son de Crazy Frog Racer? Sur GBA. Musique composée par le grand compositeur de talent qui est Mister MV. Et il faut trouver ça. 150 cc, Team Bronze. Ah, c'est des sons quand même. C'est du Mister MV ça? Ah, ça remplit le crâne quand même, hein. Et ça, c'est pas de la GBA ça. Ça ressemble pas à de la GBA. Ah, c'est. Ça ressemble pas à de la GBA, c'est trop smooth. Ah, ce son du mal! Ah, il faudra arriver à isoler. Ah, il faudra arriver à isoler! Il faudra arriver à isoler le son! Ah putain, mais ce clavier du mal! Ah, ce clavier du mal! Ah, la soundtrack de Xavier Dang. Ah mais foutez-moi la paix avec la soundtrack de Xavier Dang là et puis ces claviers là, on a la foutre de la soundtrack de Xavier Dang. Moi je veux ces vraies compositions avant qu'il fasse des remixes à la con à moitié bourré à 3h du mat sur son Twitch là. On veut les vrais sons putain. On veut les vrais sons. Passez-moi les vrais sons. Pas ces sons où il dit flamboyant et Johan Verdier toutes les 30 secondes là. Arrêtez de fagoter. Passez-moi ces vraies compositions, ces lyrics, tu vois? Tu vois? Le vrai son. Et moi aussi, je vais vous montrer, je peux faire un remix quand je veux. Il n'y a pas besoin de beaucoup de talent pour faire ça. Ah, mais ce Crazy Frog Racer. Ce Crazy Frog Racer. Mais oui, mais tout à fait. Par contre, toi, ça a l'air d'être le mal. Oh là, mais ces sons du mal! Ah, oh, ces sons du mal! Il faudrait que je trouve le meilleur. Pourquoi est-ce qu'il essaie de cacher cette bande son? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas disponible sur YouTube? Moi je dis il y a eu du lobbying. Mais je veux pas les musiques que. Je veux pas les musiques de remix de MV. Putain. Je veux ces vraies compositions quand c'était un compositeur reconnu. Et que pour gagner de l'argent pour manger, il était obligé de faire des OST de jeux tout pourris. Voilà. Maintenant, il fait des OST de jeux qui sont pas pourris, mais la vérité, c'est que ça reste Mister MV. Tellement incroyable, ça. Vous êtes tellement. Ça vous est tellement rentré dans le crâne.
Mais écoutez ces sons là, putain. Voilà, là tu profites de Xavier Dang. Tu aimes Xavier Dang? Tu aimes Xavier Dang? Tu l'aimes Xavier Dang? Hein, tu le kiffes? Tiens, écoute. Ah, tu le kiffes Xavier Dang, hein? T'as donné, hein? T'as donné pour son YouTube. Tiens, regarde, Xavier Dang, tu vas voir Simeon Verdier. Tu vas voir Simeon Verdier, moi, aucune pitié, moi. Je sens pitié. Putain, mais c'est... Ce son du mal! Oh! Oh là là, c'est tellement, tellement maléfique. Tiens. Donne-moi le meilleur son. Ah là là, là j'ai le meilleur. Le meilleur, écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ce petit. Il y a du Mozart là-dedans. Il y a du Mozart, on sent quand même le grand fan de musique électro hein, qui savait exprimer le véritable talent qu'il avait à l'intérieur de lui directement. Et bien voilà, bah vous prenez une musique à la con, vous dites Xavier Dang, Xavier Dang, Xavier Dang à la place des paroles, et puis voilà, c'est bon. On n'oubliez pas de boire un peu d'alcool hein, quand même, hein. C'est très important, car si vous voulez être un streamer à succès, il faut absolument être soit... sous l'emprise de narcotiques, soit ivre. Il n'y a que comme ça où vous pouvez attiser la curiosité des bas plus fragiles. Ah, ces sons du mal quand. Ah non, ce son, je peux plus l'écouter. T'as pas un autre son à me proposer là? Mais on sent toute l'inspiration. On le sent habité. Tu vois quand il est tan 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 tan. Tu sais c'est un peu Jean-Michel un doigt ou Jean-Michel Jarre, tu vois. Il est habité. Écoutez ce son. Xavier Dang. Fais-moi un enfant. Après, tu m'étonnes que toutes les meufs tombent amoureuses de lui. Oh là là. Putain, mais cette bande-son, elle vaut... Le mec qui arrive à me trouver la véritable bande-son en entier... Ah là, mais ce petit moment... Tada, 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 tada. Ça reste bien, hein. Ça reste bien, hein. Je vais me mettre à la musique, moi. J'ai fait mon solfège. Je suis un autodidacte, moi aussi. Ouais, je suis désolé, mais je peux plus. On va se mettre des vrais sons parce que. Ah. C'était dur. Ça y est, vous êtes guéri. C'est bon, vous êtes guéri. Si vous voulez, je vous en remets un petit derrière. Vous en remets un petit derrière. Moi, c'est cadeau. C'est cadeau. Ah oui, le SoundCloud de Xavier Dang. Putain, qu'est-ce qu'il compose quand même? Il compose beaucoup, hein. Ah oh là là, tous ces trucs. Viteuf pas ouf, son plus grand titre. Mon épicier le zombie. Gros trailer aussi. Est-ce qu'il y a ses vraies musiques dans son SoundCloud? La caverne cosmique
de l'Indéman de la nuit céleste du cul. Pourquoi pas? Xavier, que t'est-il arrivé, Xavier? Xavier, où es-tu parti? Xavier, reviens-nous. Reviens-nous, Xavier, tu es allé trop loin. Tu es allé beaucoup trop loin. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop loin. Quand j'écoute, je sens que c'est allé loin. Je sens que c'est allé énormément loin. C'est trop. Reviens avec nous. Reviens avec nous, MV, tu nous manques. Tu nous manques énormément. Trop de titres. Ma vie, c'est de la merde. Le retour de Balkanin. Aldiman. Une heure de compo. Megaman at the supermarket. Ascenseur sexuel. Viteuf. Pas ouf. Mon épicier le zombie. Un vrai fan. Comment il s'appelle de. Il s'appelle d'ailleurs ce mec là. Comment il s'appelle là? MV, c'est un vrai fan de. S'appelle de Philippe Catherine. La plus grande source d'inspiration de Mister MV. Si après tout ça, vous estimez que Mr. MV n'a pas besoin d'être aidé, en tant qu'un de ses meilleurs amis depuis toujours, un homme qui l'a toujours soutenu et épaulé, je vous demande solennellement de le ramener à la raison, car comme vous pouvez le voir, malheureusement, la drogue a emporté Mr. MV, fan international de Philippe Catherine, titres de chansons remix qui n'ont aucun sens. Il perd en plus, on va dire, ce qui faisait l'essence même de ce qu'il était, composer des musiques de GBA nul. Aidez-le. Aidez-le à revenir. Aidez-le à revenir. Et aidez-le à revenir parmi nous. Aidez mon ami à se reprendre. Je vous en supplie. Aidez-le. Pour le bien de tous. Pour le bien de tous et pour tous ceux qui nous regarderaient très loin. Dans une lointaine campagne, c'est l'heure de passer un tout petit peu à la 4G. On se retrouve juste après.